Hi, I'm Bruce Buffer, the voice of the UFC Octagon, and you're watching No Contest. Taz de Beginner, rendez-vous sur le skatepark de Bercy et présentez-nous le meilleur du MMA. Salut à tous, c'est bon de se retrouver sur Combat Sport pour une nouvelle édition de nos contests. Comme d'habitude, on va voyager énormément à travers les gym clubs de la planète. On va également découvrir quelques-uns des meilleurs combattants. Et puis bien sûr, j'accueille, comme chaque mois, mon acolyte, The Beginner, Johan Amara. Salut Taz, c'est vrai qu'avec nos contests, c'est quand même le meilleur moyen de voyager, sans bouger ou presque, en tout cas sans dépenser un centime. Rapport qualité-prix, il n'y a pas vraiment mieux. En tout cas, si vous voulez vous immiscer au petit monde du MMA, une seule adresse à connaître, c'est celle-ci. Allez, voyons ce qui vous attend pour cette troisième émission de contest. Sommaire, fight! Chose promise, chose due, nous retournons ce mois-ci au Japon où Kotetsuboku a pris un malin plaisir à participer à notre « J'ai testé pour vous » au sol face à Johan. Londres a toujours été une place à part dans les sports de combat et de la boxe au MMA. Il n'y a qu'un pas que certains ont franchi en traversant le Channel. Jess Liaudin est installé dans la capitale britannique, nous l'avons rencontré. Francophone, sparring de JSP, surnommé The Crow et artiste des arts martiaux, David Loiseau est un personnage emblématique, pas de raison qu'il n'ait pas sa place dans nos contests. En France, Vincent Parisi est également un athlète dont on parle, qu'on l'apprécie ou qu'on le critique, il ne laisse personne indifférent, ce qui est sûr c'est que vous le connaîtrez mieux dans quelques minutes. Enfin, finalement, nous n'existerions pas ou peu sans elle à nos côtés, on parle des filles. Fini le temps où elles nous laissaient aller nous entraîner, aujourd'hui, elles préparent les sacs pour aller elles aussi dans les gym clubs. Les filles prennent le pouvoir. Et encore un beau programme en perspective. En attendant, nous, on prend l'avion. Direction Roissy-Charles-de-Gaulle jusqu'à Las Vegas, la Mecque du MMA. On s'intéresse à l'un des clubs les plus prestigieux, mais pas forcément le plus grand en superficie. Nous découvrons ce mois-ci le Gracie Jiu-Jitsu. C'est parti. Ah, Las Vegas, toujours un plaisir de revenir dans Sin City. À 11 heures d'avion de Paris, c'est vrai que le déplacement n'est pas évident à gérer, mais une fois sur place, le dépaysement est garanti. Après avoir remonté le strip, fait quelques escales dans le plus grand hôtel du boulevard, il est temps quand même de jeter un œil au gym MMA. Et là, la liste est longue. Parmi les plus réputés, la Vant Fight Team, l'Extrême Couture ou encore le Gracie Jiu-Jitsu. C'est d'ailleurs à ce dernier que nous rendons visite. À 10 minutes du centre-ville, nous reçoit Mika Shipili, légende du MMA. Nous sommes installés ici depuis 12 ans maintenant. Nous avons été l'une des premières écoles ici à Vegas. Nous avons différents cours ici. Nous avons bien sûr le Jiu-Jitsu qui reste notre activité numéro 1, mais aussi des classes spécialisées judo, MMA et un peu de Muay Thai. Justement, intéressons-nous à l'un de ces cours. Nous avons pu prendre part à une classe de judo pour MMA qu'enseigne Younes Djemni, légende lui aussi du judo marocain et installé à Vegas depuis des années. Nous voulions apprendre précisément la technique judo-MMA. Pour apprendre la technique avant, il faut commencer un petit peu. Il ne faut pas être rapide pour commencer à apprendre une technique avant de... Il faut pratiquer au moins 11 fois, un petit peu. Et après on fait le drill, la répétition pour 2 minutes, 4 minutes, seulement pour être confortable avec la technique. Et après on peut l'utiliser dans... Au plus près de ses élèves, Younes, habitué aux techniques MMA, enseigne aussi des prises judo en gi. Le mix martial arts prend ici tout son sens, même avec le judo gi sur les épaules. Quant aux techniques, elles peuvent être démultipliées à l'infini avec un coach de la trempe de Younes qui a quand même inventé ses propres prises. Le judo et le jiu-jitsu, c'est le même sport parce que le brésilien jiu-jitsu est la sortie de judo. Le très important de judo et jiu-jitsu, parce qu'ici on fait le judo mais mélangé avec le brésilien jiu-jitsu. On fait la combinaison, ça commence debout, on la termine en submission, au sol. Mais tout le temps, il ne faut pas laisser un espace avec toi et l'autre le combattant. Il faut être tout le temps en contrôle. Parce que si je donne un petit peu de l'espace, l'autre elle peut s'escaper de la technique. Seul gym club représenté par le nom et aujourd'hui la marque Gracie dans tout le Nevada, le club de Vegas offre évidemment bien plus pour tous ceux qui n'ont pas la prétention d'aller en compétition. Parce que nous sommes un team d'arts martiaux, nous essayons de changer le lifestyle des gens ici, d'être de meilleures personnes. C'est le premier objectif du club. Mais nous avons aussi des compétiteurs ici qui combattent dans des compétitions de jiu-jitsu. Nous avons des champions panaméricains, des champions du monde, des champions nationaux.
Nous avons des fighters qui combattent en MMA aussi, qui s'entraînent ici, notamment des combattants à l'UFC. Et puis dernier point important, nous sommes bien sûr dans une ville touristique. Nous avons beaucoup de visiteurs qui viennent en dehors de la ville et j'aide ces combattants qui viennent d'ailleurs à aller se battre sur l'UFC. Je les aide parfois, je suis dans leur coin, je les aide au combat, j'assure leur défense et parfois je les accompagne tout simplement plus que je ne suis finalement leur corner. Une fois passé les portes de ce petit club à la réputation internationale, vous ne verrez plus la discipline de la même manière grâce entre autres au patron des lieux, pas impressionné par ce que représente le nom du gym. Non, car j'enseigne le jiu-jitsu depuis le début, ça fait maintenant un paquet d'années. Ça fait 26 ans que j'apprends et pour moi c'est plus naturel ce que l'on fait. J'essaie d'apporter aux gens, leur transmettre la même tradition dans le sport que celle que l'on m'a appris dès le départ. Et à mon tour, je passe le relais afin de garder les traditions vivantes. Faire comprendre aux gens ce qu'est vraiment le jiu-jitsu, si j'arrive à le faire ne serait-ce qu'à un peu de monde, alors j'aurais fait un bon boulot. Comme toute bonne chose a une fin, il est temps de quitter le GJJ, mais promis, nos contests vous fera revenir à Las Vegas plus vite que vous ne le pensez. Le rendez-vous est pris. Yoann, avec le personnage qui vient, ce qui est bien, c'est qu'on a tout ce qu'on aime dans nos contests. On a un garçon expatrié, parti s'entraîner à Van Fight Team à Las Vegas, parti ensuite de l'autre côté du monde au Japon pour pouvoir combattre, un Français incroyable, son nom Zachary Wayne. Ouais, j'ai essayé de cerner le personnage, mais impossible de suivre le rythme du sniper. De Las Vegas à Tokyo, il n'y a qu'un pas pour ce globe-trotteur au palmarès déjà éloquent, et au vu de son parcours pour l'instant amateur, on est en droit de penser que ce n'est que le début. Bonjour, je m'appelle Zach, donc je viens de Paris. J'ai bougé de Paris, donc je me suis installé à Tokyo et puis je fais des allers-retours entre Tokyo et Las Vegas pour m'entraîner en MMA, Jiu-Jitsu. J'ai 29 ans et j'ai un palmarès de 6 victoires, 1 défaite, 3 victoires par KO, 2 par soumission et 1 par décision et 1 défaite au point. J'ai commencé à m'entraîner au Japon. J'ai fait un peu de karaté en France quand j'étais très jeune, mais à part ça, c'est tout ce qui est MMA, Jiu-Jitsu, non, j'ai commencé au Japon. On est dans le team du Wanderlei Silva, donc derrière moi vous pouvez voir le coach Leandro Lorenzo qui fait la classe des enfants pour le Jiu-Jitsu en gi. Là on a les gars qui travaillent en workout. Je voulais trouver un gym de striker. Et là, surtout, j'ai beaucoup appris en striking ici. Striking, aussi bien en striking qu'en jiu-jitsu. Je travaille entre-temps. Je travaille pour l'import-export de grands vins. Et je travaille aussi de nuit de temps en temps. Quand il y a un combat qui approche, non, je ne le fais pas. J'essaie de minimiser le temps de travail pour pouvoir m'entraîner, mais c'est assez dur. Pas vraiment décidé. J'essaie de faire le tough enough. Mais pas vraiment d'objectif précis. Forcément, la transition est toute trouvée. On retourne du côté du Japon où personnellement j'ai passé un moment absolument génial. En revanche, le mec qui est derrière moi, qui est parti se cacher un petit peu moins, on prend la direction de Tokyo. Nous partons chez le YSA, le Yamamoto Academy pour le j'ai testé pour vous, Yoann. T'as souffert mon pauvre. Ça y est, ça a recommencé, j'ai encore morflé, j'ai parcouru le ring tel une serpillière. Après mon passage, le sol était tout propre. J'ai eu le droit à une séance de kiné avec Monsieur Kotetsu Boku. Dire que l'on va tenter un sparring sol avec Kotetsu Boku revient à annoncer à Michael Jordan qu'on est un meilleur basketteur que lui. Dans sa salle, Yoann a lancé le défi ultime à No Face, tenter rien qu'une fois d'échapper à l'une de ses soumissions afin de jouer à l'arroseur arrosé. Ce qui est sûr, c'est que l'un d'entre eux n'était plus vraiment sec à la sortie du sparring. Après une première intimidation tout en douceur, Yoann, sur la première tentative, va tenir près de 45 secondes, ce qui sera déjà, on peut le dire, son record de longévité avant le tap-out. Bien que la confrontation soit amicale, il a été demandé au Korean Tiger de ne pas prendre de pincettes, vu que Yoann n'en prendra pas non plus. Le résultat est dur, on se rend vite compte du travail de la technique de Kotetsu qui exploite la moindre faiblesse de celui à qui il est opposé, et il y en a. Première soumission pour Kotetsu Boku pendant que Yoann prend 2 cm de plus. Acte 2, puis 3 et 4, toujours avec le même résultat mais à chaque fois une prise différente et tout y passe, de la cheville au genou, en passant par le coude, le poignet, etc. Dur. M'en fous, j'y retourne. Yoann, qui s'y frotte, s'y pique, surtout à l'intérieur du Crazy Bee.
mais Kotetsu montre à son adversaire qu'il peut quand même tenter sa chance. Si le mot humiliation est un peu fort, celui de ridicule l'est beaucoup moins. En même temps, The Beginner a pour lui le fait d'essayer, même avec un adversaire déjà au sol. Kotetsu mène déjà 5-0 et les tap-out, eux, se transforment en vraie claque pour Kotetsu, toujours impressionnant, mais décontracté. Plus les minutes avancent, plus Johan est déstabilisé. Du coup, No Face s'en profite pour réviser les gammes et tenter des choses. Pas de chance pour mon acolyte, la caméra tournait à ce moment-là. Et quand on demande le niveau d'Yohan au sol, beaucoup ne répondant qu'en japonais, préfèrent jouer du langage des signes. Pas une seule fois durant le training, Johan n'arrivera à mettre en difficulté notre hôte du jour, et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Beaucoup prenant de plus en plus de plaisir à martyriser Johan, quand son jouet perd de la batterie, c'est lui-même qui vient en aide à notre testeur, du coup qui reprend force et analyse la situation. Il va y perdre connaissance. Mais ça va, ça va. Que tu peux faire quelque chose parce qu'il te fait croire qu'il est toujours en train de bouger et il ferme au fur et à mesure la clé, mais tu sens pas que c'est déjà fermé. Et quand il est sûr que c'est fermé, c'est-à-dire avec moi très vite, il ferme d'un coup. Et là, tu te dis, mais comment j'ai été pris? C'est juste que depuis le début, tous les gestes qu'il a fait l'ont amené à cette clé là ou à cette soumission là. Sauf que toi, bah, tu le sais pas. Voilà. Pris par surprise, beaucoup, largement au-dessus, donne à Johan une dernière leçon. Proche de la syncope au bout de cette soumission, c'en est trop. Je décide finalement de jeter l'éponge pour lui. On en restera à 17-0 et une bonne tranche de rigolade. Le bilan est vite fait, mais la bonne nouvelle, c'est que durant son sparring, a priori, Johan a eu le temps, lui aussi, d'apprendre le langage des signes. Okay. De retour en France, si vous voulez savoir pourquoi Johan s'est retrouvé en ground and pound face à une fille, la réponse, c'est juste après la pause.